Je vous demande d'excuser le capitaine Jourdan, dont le fils est actuellement incarcéré pour le meurtre de sa maîtresse. Madame Jourdan adore inventer des délits pour lesquels, bien entendu, je n'ai jamais été poursuivi, hein. Même une seule fois. Mais vous, je vais pas vous lâcher, Delmont. Vous savez que si j'avais mis 1 euro de côté, à chaque fois que vous m'aviez dit ça, je serais devenu riche. Mais je suis bête. Je suis déjà riche. Bonne journée. Ah, merde. Et tu lui as dit quand? Comment elle a réagi? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas rentrée chez elle après? Non mais parle, elle est passée où? C'est un accident. Quoi? Elle est devenue complètement folle, elle était incontrôlable. Elle m'a frappée. Réfléchis bien, Kira. C'est ça la vie que tu veux mener? Alors je sais bien que je suis pas ton père, mais... Mais je t'aime comme ma fille. Viens. Viens. Les démarches sont pas simples. Oula. C'est un long combat, mais Oti était tellement déterminé. Vous savez, c'est déjà compliqué pour un couple hétéro d'avoir un enfant, alors imaginez pour Hélène et Patricia. Mmh. Vous vouliez me voir? Non. Enfin, si, oui, oui, je... Pour? Pour vous dire que je sais que vous chantez très bien. Franchement, j'ai pas chanté depuis des années. Pourquoi vous avez arrêté? Événement traumatique. Ah. Ouais, voyez-vous, c'est l'événement traumatique qui m'a fait reprendre. Bonjour, je peux vous renseigner? Ah oui, je cherche Monsieur Kervillard, mais c'est fermé. C'est moi. Julien Kervillard, et maintenant c'est ouvert. Ça consiste en quoi exactement, votre boutique? Un site de rencontre pour vaches et taureaux. Ça existe vraiment, ça? La preuve? Enfin, j'imagine que vous n'êtes pas venu chercher un reproducteur. Vous savez, dans ce pays, les paysans écrivaient à petit feu, puis tout le monde s'en fiche. Nous, chez les Kervillard, on était fiers d'être éleveurs depuis plus de 100 ans. Et c'est vous, le petit Mondinet? Ouais. Je devais avoir quoi, 7-8 ans? Surtout, me dites pas que j'ai changé. J'ai pas d'avis. Très, 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 très vite. Espèce d'enfoiré, oh, putain. Mais comment t'as pu faire ça, hein? Mêle-toi tes affaires, ok? Ce sont mes affaires, d'accord? Je t'ai demandé de te tenir éloigné de ma famille. Moi, je suis quoi? Je suis pas ta famille, peut-être? Toi, t'es qu'une merde. Et tu le resteras toute ta vie. Sortez, les vieux. Putain, stop! Bon, ça suffit, lâchez-le, hein, ok? Je vais tout faire pour que Victor y porte plainte. Tu es la personne qu'on aime le plus au monde. 149 féminicides l'an dernier en France. Rien que des passionnés qui les aimaient trop. On venait même de décider de se marier. C'est pas ce que disent ses parents. Si vous préférez croire, c'est pourri. Ils supportaient pas qu'on soit ensemble avec Mélanie. Monsieur Brochot, depuis le début de ce procès, nous vous écoutons ainsi que les témoins de la défense. Et je dois vous dire que finalement, je vous trouve extrêmement sympathique. Vous valez pas plus cher que votre client. Vous voyez, vos méthodes sont dégueulasses. Oh là 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 là. Name it for leave. I would like to see you more often. How much more often? Like not once every month. More like once every day. I week. Regular week. Worked hard. Saved lives. Beach with my lovely wife over the phone. Please stop calling her my lovely wife. That's not nice. To you? No, to her. Stop doing that. Okay. But you know, she is lovely. It is just I don't love her. Not anymore. I love you. Ok. Merci. T'as été parfait. Oh. Comme d'habitude.